Salut mon ami. Ouais, salut frère. Oui, tranquille et toi? Yes, yes. Hello. Okay. Thank you. Yeah, bro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Young boy. So, yeah. I run into my Francophone brothers here in Cyprus. So, they are going to share with us how is life here in Cyprus, the life here in full. Yeah. So, mon ami, yes. Comment la vie quotidienne ici en Cypre? La Chypre, c'est une île, hein? Une île paradisiaque. Ok. Ouais, où tout le monde vient visiter la belle plage. Et voilà, ici, les gens n'accueillent pas mal d'étrangers ici qui viennent de différents pays. Ok. Simplement visiter le pays. Ok. Voilà, c'est une île touristique, c'est ce que je peux dire concernant la Chypre. Okay, he said Cyprus for him is a very beautiful country and is a beautiful island that a lot of people are coming here to spend their holidays and have a great time here. That is only thing you can say about Cyprus. Mais par rapport à la vie quotidienne, qu'est-ce que tu peux partager? Juste la vie quotidienne, c'est pas pour travail ou pour les études, tu as quelques idées? Souvent des personnes viennent ici pour faire les études. Okay. Pour faire les études qu'ils fréquentent, d'autres viennent aussi pour améliorer leur anglais. Okay. Parce que c'est un pays purement anglais. Si tu ne parles pas l'anglais, tu dois parler que le grec. D'accord. Okay. Voilà. Donc pour perfectionner ton anglais, il faut venir fréquenter ici. D'accord. Voilà, des personnes viennent, des étudiants viennent pour juste fréquenter. D'accord. Yes. I am asking him about studies and work and whatever. What can he share? He said, here in Cyprus, students are coming to come and study here and for also to be able to improve their English. So this is what he can say. And if you don't speak English, because here he said the language you speak more, apart of the Greek, they are speaking English. So you have to speak one of the two in order to integrate. So thank you very much, man. Yes, merci. Thank you. Hello, my friend. How are you? Oh, cool. I met my friend here. Mike. He's from Romania. Mike from Romania. Who is it in Romania? Constanza, next to the Black Sea. Constanza. Constanza, next to the Black Sea. Shout out to my Romanian people. One day you will see me in Romania. Soon. Hello, my brother. I have a question for you. Tell me. How is life here in Cyprus? No stress, wonderful, marvelous marmalade. No stress and wonderful. And this reminds me, I met someone from England in the airport of Paphos. And he told said the me, same? He said that he is from England. He said the best thing in love here is the calmness. Calm, and no stress. Enjoy life, have your drink, stay safe. Oh, thank you, my brother. Thank you. Salut mon ami. Oui, salut mon frère. Oui, tranquille. Et toi? Ça va bien chez vous? Oui, ça va, merci. Ok. J'ai une question pour toi. Okay. Comment est la vie ici, en Cypre en général? Parce que c'est un petit pays. Ok. Du coup, on ne peut pas trop classifier l'endroit, quoi. Mais par rapport à ton expérience, quelqu'un qui vit ici, qu'est-ce que tu peux partager avec nous? Bah d'accord, avant de commencer, je vais me présenter. Je me nomme Kouriafou Francis et j'ai 25 ans. Et ça fait 6 à 7 mois que je suis à Chypre aussi. Ok. Ok. Bien avant de venir, j'ai pris des renseignements. Moi, je suis venu d'abord au début pour les études. Ok. Je suis venu d'abord au début pour les études. Et quand je suis venu ici, j'ai pris le temps d'observer la ville. D'abord, j'étais dans un camp d'abord avant de venir. Ok. Donc, actuellement, j'ai un statut de demandeur d'asile. Ok. Je suis venu. La première chose que j'ai vue ici, c'est que le pays est très beau. Ok. Ça, je peux reconnaître, le pays est très beau. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de touristes qui sont ici. Ok. Et la population chypriote est très peu nombreuse. La population est très vieillissante. Ok. Je peux dire qu'il y a du travail ici. Mais personnellement, moi, je n'ai pas encore trouvé de travail. Je vis actuellement grâce à l'aide de la Chypre. On me donne des coupons chaque mois. Ok. Mais quand j'aurai les papiers, je sais que je vais avoir le travail. D'accord. Donc c'est ce que je peux dire ici de mon expérience à Chypre. Ça fait 6 à 7 mois que je suis ici. Ah, merci. He is Kouriafou Francis. He's 25 years old. He has been living here for the past 6 to 7 months now. And now he's working towards to get his documents so that he can be able to have the opportunity to work. Yeah. He said for him, he found that Cyprus is a very beautiful country and the population is a little bit more elderly. They are elderly people here. They are not much young people. And for him, there is work. But now it's not working because he don't have the Cyprus permit
in order to work. So he's waiting for his Cyprus permit. So for him, what he see, and he said there is a lot of tourists here because it's a very beautiful country, and because of the sun also, a lot of people are coming here. So thank you, brother, for sharing. Thank merci you, beaucoup bro. Pour partager. Merci beaucoup. Ça va aider beaucoup de monde. Okay, au revoir. Ciao, vous, merci. Hello, my brother. All right. How are you? It's good. Fantastic. Oh, great. I'm fine. Thank you for asking. Okay, I met my Bangladesh brother here in Nicosia, Cyprus. Okay. My brother, what can you share about life here in Nicosia, in Cyprus as a whole? Cyprus has a life as Nicosia because in a foreigner, like I am working here in abroad, you're looking at me in abroad. Morning time I come and I join my duty like this. But I like Cyprus. I go many Europe countries, but I am interested here in 30 kilometers, you can go here in hills, sea beach, anywhere you can go. But in France, German, you can go, you cannot find anything. You are very boring. Yes. Traveling, but you cannot find anything. And very noisy, very cool. Okay. But here is noisy, but enjoyable. Okay. Yeah. So that is what he can share. He said, he's Bangladesh, he know that. He like Cyprus. He has been here for some time. He have traveled a little bit around. No fast year life here. Okay. Life is slow. Life is slow. Okay. So he say I've been living here for some time. He have traveled to other countries in Europe, but he like Cyprus because everything is so close. Like 30 kilometers, you can find great things to do. In the city also, you can find great things to do around. Unlike other European countries, sometimes to find great things to do is very far away and sometimes it's boring. For him, life here is very slow and he really like it. Yeah. Bonjour, mon ami. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. Et vous? Ouais, Dieu merci, ça va. Ah, c'est tranquille. Ici, here there is a lot of francophone guys, brothers here. So, this is the third francophone I'm running into. So, my brother, mon ami. Yes. Comment est la vie quotidienne ici au Cyprus par rapport à ton expérience? D'abord, je me présente. Okay. Là, je m'appelle Yannick, je viens de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, je suis venu en Chypre pour avoir une vie meilleure ici. D'accord. Voilà. Mais il faut être honnête, il faut dire la vérité. Ici à Chypre, quand tu es demandeur d'asile, c'est pas du tout facile. C'est pas facile parce que le demandeur d'asile, ici, il n'est rien. Okay. Tu n'es rien. Rien et rien. Okay. Voilà, ta dignité s'arrête là, à l'entrée de l'avion de chez toi au pays. Ouais. Une fois que tu mets les pieds à Chypre et que tu fais la demande d'asile depuis le Punara, il faut savoir que tu n'as rien parce que la vie est très très difficile ici. D'accord. Parce que là même, ça me fait 5 mois maintenant que je suis là, même l'assistance sociale ne m'a encore même pas donné 5 francs. Même 1 centime, là, je n'ai pas encore reçu. D'accord. Donc, il faut être honnête, vraiment, c'est compliqué. Sinon, il fait beau vivre, tout. Quand tu as l'argent ici à Chypre, il n'y a pas de problème. Mais quand tu n'as pas les moyens là, c'est compliqué. C'est compliqué, si t'as pas attaché la ceinture, tu vas lire. Voilà, c'est ça. So, il faut que je traduise. Ok. So, he said, he is Yannick, he's from Côte d'Ivoire. He has been 5 months ici. So, as soon as he came in, he asked for the asylum. And yes. Since then, he's waiting to get a document. And, but since then, the worst part of it, he said, he hasn't gotten anything from Cyprus in order to help him because here in Cyprus, it's a very beautiful country if you have your money, if you are working. But right now, he's not working, he's waiting, and his assistant socialist is still waiting for her to do something about all these things. So he's waiting. So, and again, it's not easy. It's not easy when you are here without the document. So this is what is sharing. So thank you, mon ami. Merci thank beaucoup, you. Mon ami. Merci. Mais à part de ça, la vie quotidienne, par exemple, le coût de vie, les loyers, est-ce que tu connais un petit peu? Ouais. Comme je le disais, il fait beau vivre ici. Le loyer est moins cher selon ta capacité de faire les choses. Voilà, selon la capacité. Moi, comme ça, je suis dans une maison, chambre-salon, de 400 euros. Chambre-salon, one bedroom, yes, ouais. Chambre-salon, 400 euros, voilà, y compris l'électricité, tout, ouais, le wifi, et puis l'eau, ça fait 400 euros, voilà. Donc tu payes rien, voilà. Tu payes 400 euros, t'as tout. 400 euros, voilà, j'ai tout. C'est pas mal, en plus c'est en centre-ville. Ouais, non, pense un peu reculé. Un peu reculé, voilà, ok. Un peu reculé, voilà, c'est ça. Maintenant, concernant la nourriture aussi, c'est vraiment très très abordable.
Le marché du verrier est très abordable. Avec 50 euros, tu peux même faire des provisions pour peut-être 2 à 3 semaines. Ouais, avec 50 euros. D'accord. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci de cela. Voilà. OK. Voilà. So I asked him, what about the cost of living, for example, the house rent and food and whatever. He said, for house rent, depend on your capacity, what you are looking for as a person, depend on your budget, your pocket anyway. So for him, he have one bedroom flat, a room and a parlor for 400 euros. Everything together, light, water, all the expenses in the 400 euros. So which is very, very good. About food, the food here is not that so expensive. For him, he said, if he makes shopping of 50 euros, 50 euros can take you to 2 weeks to 3 weeks. So almost a month, 50 euros can take you for almost a month if you make shopping. So, merci beaucoup mon ami, qu'est-ce que tu as partagé là. Merci beaucoup, ça va aider beaucoup de monde, les gens qui voulaient penser de venir en Cypre, ça va lui donner une bonne idée à quoi lui attend ici. Quoi. D'accord. Moi, ce que je voulais ajouter, si un noir, quelqu'un qui a la peau noire, un Africain qui veut venir en Chypre, qu'ils viennent par la voie légale, parce qu'il y a deux Chypres, il y a le nord et il y a le sud. Qu'ils évitent de descendre au nord et rentrer ici de façon illégale. Parce que quand tu rentres de façon illégale, tu perds ta dignité, même ton métier que tu as appris, tes diplômes, rien n'est valable ici parce que tu as juste demandé l'asile. D'accord. Donc, quand ça devient comme ça, même pour avoir le travail, c'est très très compliqué pour un demandeur d'asile. Mais si tu as les moyens et que tu rentres par l'aéroport de l'Anaka ou bien l'aéroport de Paphos, tu n'as pas de problème parce que tu fais la demande d'asile sans faire le camp de Pounara. Est-ce que tu vois? Oui. Donc quand tu sors, tu as un peu plus de valeur, tu es un peu plus dans les normes que quelqu'un qui rentre par le nord en venant par ici. Le truc c'est quoi? Écoute-moi bien. Ok. De ton pays, tu fais tes documents et quand tu viens directement en Chypre du Sud, pas en Chypre du Nord. Ok, il ne faut pas partir en Afrique au Nord. Ok, le Nord c'est plus compliqué. Voilà, j'ai bien compris, si j'ai bien compris. Voilà. Okay. Le Nord, quand tu es au Nord, c'est facile à venir ici. Mais arriver ici, tu perds tout ce que tu as comme valeur. Même si tu as fait des hautes études là-bas, quand tu viens ici en tant que demandeur d'asile, pour aller à l'école, c'est compliqué parce que l'école, une année, fait presque 3000 euros. C'est pas facile pour un demandeur d'asile. Est-ce que tu comprends? Voilà, il y a des trucs que tu ne peux pas accéder. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà, plein de trucs. Quand tu fais la demande d'asile dans le camp de Pounara, tu perds tout ce que tu as comme diplôme, tout ce que tu as comme valeur. Ils s'en foutent, hein? Ils s'en foutent de tout ce que... Quand tu as des métiers, tu ne peux pas les exercer. Oh, voilà. Ils vont te bloquer directement tout là. J'ai la tête chargée de métier là. Ouais. Mais quand je vais demander, on prend mon papier, on regarde, on dit non, que tu es demandeur d'asile, tu n'as pas le droit de travailler. Tu comprends? Parce que tu as passé par le nord. Parce que tu as demandé l'asile, tu es rentré ici de façon illégale. Par le nord, merci. So, it is a very important point is making. That is why the interview is a little bit long. Que j'ai un BTS en mécanique générale automobile. Voilà, mais là, je ne peux pas l'appliquer ici parce que partout où je me vais, on me dit que je suis demandeur d'asile, donc ça ne passe pas. Ça passe pas. Merci, bye-bye. I am Joel Tamara. If you like my videos, please hit the subscribe button and turn on the notification so you will get notified of my upcoming videos as I take you to every country on Earth. Until then, have a wonderful and inspiring day. Bye-bye.